La vie, c'est un voyage de temps de l'homme et d'endroit. Mais la vie pour moi, c'est plus que ça. C'est un voyage de douleur, de tristesse et de larmes. Mon nom, c'est Natacha Lanson. Et ça, c'est mon histoire. J'ai perdu mes parents quand j'avais 10 ans. Et je suis toujours en compagnie de mon petit frère et d'un ami. Il était tout ce que j'avais dans le monde. Et j'étais aussi tout ce qu'il avait. On était toujours ensemble, nous deux. Les 3 ans qui suivirent étaient froids et blessants. Mais il n'y a rien qui était blessant que le soudain disparition de mon frère. J'étais seule, très seule. Et c'est là que ma vie de solitude a commencé. Descends ta jupe. Je dis descends là. Si tu cries, je te tue. Descends vite. Saute. J'ai décidé de prendre la vie à ma façon. Deux petits bouts étaient la seule option que j'avais. Pour tout ce qui me concerne, c'était un bon choix. Les semaines devenaient des mois. Les mois devenaient des années. Je suis fille du matin et devenue femme dans la nuit. Actuellement, je suis une femme sans espoir. Mes rêves et mes pensées sont mauvaises. Jusqu'au jour où j'ai rencontré cet étranger. Hé! Ton argent! Pourquoi? Je dis donne-moi ton argent.
Qu'est-ce qui t'est amusant? Femme, je suis un homme déterminé. Comme je te parle, je suis avec le pouvoir. Donne-moi ton putain d'argent. Ou soit, je fais sortir mon pistolet et je t'explose la tête. Toi là, arrête de s'amuser. Moi, je n'ai pas d'argent. Et toi, tu n'as pas d'argent? Enlève ta main. Je ne parle pas de ton putain d'arme. Je peux te prendre une ou deux choses. Tu me fais rire, toi, tu es un pagailleur. On se voit dans les environs, hein? On se voit après. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de la vie. L'amour. L'espoir. Tu espères quoi? La vie, c'est se battre ou mourir. La vie, c'est pas un lieu de loisirs. Quand on veut ce qu'on souhaite ou espère, la vie, c'est une bataille. Sauf celui qui peut se battre, va survivre. Je suis fatiguée de cette bataille. Moi, je suis fatiguée de me battre. Non, ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Ne te tortue pas, ma chérie. Regarde! Regarde! Regarde dans le miroir et dis-moi ce que tu as vu. Déshonneur, c'est ce que je vois. Moi, j'ai vu une jeune femme qui a sa destinée dans ses mains. J'ai trouvé du travail aujourd'hui. Servante de bar. Qu'est-ce qui t'amuse? Je suis désolé. C'est toi. Je ne comprends rien. Il y a deux sortes de travail. Premièrement, tu es sur la croix. Secondo, tu coules la pointe. Viens avec moi, je vais te montrer quelque chose. On va où? Regarde aussi loin que tes yeux peuvent atteindre. Un parmi cinq maisons appartient à mon petit frère, qui est un baron de drogue et un criminel. Ma famille, faites avec lui. Mais moi, je vis dans l'esprit du raté. Il y a une seule loi dans la vie. Devenir riche ou mourir en essayant de devenir riche.
by the predator. C'était mon dernier jour que je n'ai plus revu Timmy. Il a fait sortir mon pensée et le remplacer avec la vérité dans mon cœur. J'ai commencé avec les petits vols. Je suis devenue une voleuse à main armée et finalement une voleuse de haute profit, expérimentée, criminelle de dernier coup. J'ai eu un problème. J'ai voulu devenir grande. Et c'est là ce désir qui m'a fait rencontrer un groupe. Ensuite, on est devenu une bonne équipe. Gaga, une diplômée. Elle est très bien telle que peut te voler ta vie hors de ton corps. Parfois, elle travaille seule. Elle, c'était un homme dans la peau d'une femme. Les armes dans sa main, c'est la meilleure chose qui peut l'arriver. Elle manipule les armes comme c'était un ordinateur. Elle n'a jamais, je dis jamais, raté sa cible. Val. Sexy et dangereuse comme une vipère. La haine vit dans son corps et son arme, c'est le sexe. Et elle pique comme un scorpion. Les filles, c'est parti. Au revoir, bébé. Laisse ça par terre. C'est ça, 60, 50, 100 coups de feu. Et nous, on était riches de 100 000 $. Oumar, il n'y a pas de problème. D'accord. On sera avec toi bientôt. Les filles, j'ai confirmé notre cible. Après avoir comparé l'information que j'ai reçue, je vois que notre cible va retirer 1, 2, 3, 4 millions de dollars aujourd'hui. Ça, c'est beaucoup d'argent. Dis-moi, quel est notre plan? C'est simple, détruire là-bas. Pas aussi pressé. On a besoin de quelques informations. Je le sais déjà, ça fait 2 semaines et je connais son programme très bien. Le lundi, il sera au gym pour faire l'exercice. Le mardi, il joue au golf au terrain du plateau. Le mercredi,
il va au cours de pilates. Le jeudi, il prend tout son temps dans son bureau. Et tous les vendredis, il perd son temps à se satisfaire au plaisir du sexe et de son désir. Et c'est ce jour qui est notre jour. Soyez les bienvenus, mes bébés. Vous savez quoi, le but? Vous êtes élégante, plus que ce que j'imaginais. Combien je vais vous payer pour le week-end? Beaucoup. Dites-moi votre prix. Prince Omar peut vous payer. N'importe quel prix. Si vous voulez boire quelque chose. On ne boit pas quand on fait les business. J'aime ça. Bien, à 13h30, tu as reçu un appel confirmant le transfert de $100,000. Et nous, on peut te faire monter cette somme où on veut. Avec tout le respect, je te dis de laisser ton âme. Je te promets qu'on peut s'arranger, bébé. Je te promets qu'on peut s'arranger. Je vais envoyer cet argent dans votre compte. Un grand menteur. C'est vrai, c'est vrai. Je peux envoyer l'argent dans votre compte. Non, je vous donne un chèque et vous irez prendre ça. L'argent dans votre compte. C'est mieux pour toi de retirer l'argent ou ta fiancée et ton futur bébé vont mourir. J'accepte tout ce que vous avez dit. J'accepte. Allô, prince. Il y a un chèque ici, provenant de toi, comportant une somme de $100,000. Mais, prince, je crois que c'est ce que vous venez de déposer tout à l'heure, il y a quelques minutes. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est tout juste pour vérifier encore. Je vais autoriser le paiement. Peux-tu me donner une minute? Il faut vite faire, parce que je dois prendre un vol. Jean, prépare l'argent. Natacha, l'argent dans le sac. Quelqu'un aurait commandé cette champagne? Non. Tu as pensé à quoi? Et qui a commandé la champagne? C'est moi qui l'ai commandé. Qu'est-ce qui se passe ici? Comme je te l'ai dit, qui es-tu? Excuse-moi, tu es dans ma chaise. Tu vas te lever. D'accord, si tu le dis. Comme je te l'ai dit, qui es-tu? Azari, un détective de police du département criminel. Détective Tom. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Est-ce que vous, les filles, vous pouvez donner vos noms? Bien, détective.
Je suis Natacha. Elle, c'est Gladys Gaga. Elle, sexy Val. Si on parle de sexe, elle est sexy. Je veux être votre amie. Et comment peux-je voir? Les filles, quelqu'un a besoin de vous connaître. Votre contact, adresse, si vous en avez. Boulevard 13, rue Macat. Wow, je connais là-bas. Je connais là-bas. Pourquoi on ne peut pas aller s'amuser? Tu viens de lui donner notre adresse. Bien sûr que je l'ai fait. Natacha. Tu as pensé à quoi? On a besoin de lui. Pour faire quoi? On a besoin de lui. Vous avez de la visite en bas. Alpha ou Omega? Omega. Exactement. Vous, les filles, vous êtes très fortes. On a écouté ça 1 million de fois. Ne sois pas impoli. C'est juste un compliment honnête. Je pensais voir votre quatrième, celle qui est élancée et élégante. Elle s'appelle comment? Notre copine Gaga. Oui, Gaga. J'ai voulu sortir avec elle. On ne fait pas ça ici. Vous, les filles, vous êtes des lesbiennes? Exactement, tu as raison. Tu veux quoi? C'est ça que tu veux? Tu es mariée ou tu es célibataire? Oui, mariée, sans enfant. Il est un diplômé de l'université de Niamtougou. Il est avec la police. Ça fait 7 ans déjà. Actuellement, il est détective au département de la police criminelle. Brillante! Vous avez veillé pour me connaître, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout, détective Tom. Impliqué dans le vol, de trafic, de viol, trafic d'armes vers la Côte d'Ivoire. Ah, vous les filles, vous connaissez beaucoup chez moi. Ce n'est pas tout, détective Tom. Je peux te sentir à 1000 km d'ici. Si on nous demandait, on dirait que nous, on est ici à cause des hommes comme toi. Mais les filles, je ne sais où vous avez trouvé vos informations me concernant. Vous connaissez tout sur moi. Bon, Veste, ta femme sera contente de savoir où tu es. Si tu veux, on peut l'appeler. Elle sera contente d'avoir tes nouvelles. 90, 26, 37, 85. J'ai raté quelque chose? D'accord. Que voulez-vous, les filles? On va acheter ton âme. Ça va nous coûter combien? 10 000 dollars? 25 000 dollars? Il ne mérite pas ça. Reviens à 20 000 dollars. Oh, tu as perdu ta connaissance? S'il s'agit de moi, au moins tu auras ça. Yeah.
Imbécile, pourquoi tu ne nous as pas informés avant d'arriver? Pourquoi tu ne nous as pas informés avant d'arriver? Toi, tu étais où même? Pourquoi tu ne nous as pas informés avant d'arriver? On a seulement eu un appel. Je vous jure que je ne sais rien concernant ça. Si c'est que je le savais, j'allais vous informer. Tu étais où même? Tais-toi! 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 Je dis tais-toi! Tais ta sale bouche! Et si tu dis quelque chose encore, je te jure que je vais t'exploser la tête. Si j'étais au courant, j'allais vous informer. Je t'ai dit de te taire et de mettre à genoux. Je dis à genoux, toi. Je dis embrasse la terre. Je te dis d'embrasser la terre. Embrasse la terre. Embrasse la terre avec ta bouche. Imbécile, imbécile, à cause de toi on a tué Val, à cause de toi on a tué Val, imbécile, imbécile, je vais te casser la tête, imbécile, à cause de toi on a tué Val, tu étais où, hein? tu étais où avant qu'on ne l'a tué, oh Val. C'est un prêtre, explosez sa tête. S'il vous plaît, ne tuez pas. Tais-toi, tu la boucles. Tais-toi, tu la boucles. Ne bouge pas. Tu viens d'où? S'il vous plaît, calmez-vous. Vous les filles, calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. C'est ma camarade. Jeanne. Elles sont mes amies. Qui exactement? Où tu la connais? C'est la fille dont je vous ai parlé. C'est la meilleure technicienne en ordinateur. Elle est un génie d'ordinateur. Elle est venue remplacer Val. Et je pense que, les filles, elle a trouvé une place. Elle est la meilleure remplaçante pour Val. Bien, c'est un petit pays. 3 millions d'habitants, 6 millions de voitures, 2 millions de policiers sur les rues, 10 000 réseaux et 150 à 200 habitants par quartier. 5 000 militaires dans la capitale et à l'intérieur du pays. Les filles, vous avez besoin d'armes et moi j'ai besoin de l'ordinateur et de mon cerveau. Le manger des enfants ne peut jamais être servi aux chiens. Le savoir-faire n'est pas donné aux peureux. Avez-vous bien réfléchi de cela? Oui, c'est déjà pensé, Guru Maharaji. Le feu brûlant, c'est force de notre maître. Et la dent d'une crocodile est l'épée de notre maître. Et cette épée, c'est ça qui vous garde. C'est la première étape de votre initiation. Boire dans le verre des esprits.
Vous venez de signer avec l'obscurité. On faisait quoi ici? Qu'est-ce que tu nous as fait? Ça, c'est le dernier rapport de votre vie. Quoi? À partir de maintenant, vous n'avez rien à faire avec un homme, sauf celui qui a deux sexes. Vous êtes devenus maintenant les filles d'obscurité. Bonne arrivée. Combien voulez-vous changer? J'ai des dollars, des CFA, des Naira, des euros. Qu'est-ce que vous voulez changer? C'est les dollars ou soit c'est les CFA? Vous tous, prenez vos distances. Baissez vos armes. Vous êtes encerclés par la police. Je compte jusqu'à 3. 3, 2. Vous tous allez au diable. 1. Vous tous allez au diable. Tirez! Ça ne peut plus nous arriver maintenant. Comment on a pu rater cet argent? Comment on a pu rater cet argent? Il y a un groupe
groupe de voleurs qui ont attaqué le bureau d'échange en ville. Ils se sont échangés des tirs avec la police. Ils ont tiré et on ne sait comment. Ils se sont échangés des tirs avec la police. Ils sont partis avec 50 000 $ et les témoins disent que c'était un coup bien planifié parce que les voleurs ont bien planifié leur opération juste pour 2 minutes. Là, les policiers n'arrivent pas à bien expliquer la disparition brusque des voleurs. La question, c'est que avec le pouvoir magique, mystique de ces voleurs, comment les policiers vont arriver à gérer cette situation si dure? On vous prie de rester avec nous. Sylvia Tanko. Les filles terrorisent notre société, c'est trop. La dernière fois, si je me rappelle, c'est vous deux que j'ai confié ce problème. Et vous êtes désolément incapable de gérer ça. Comme je viens de vous parler, il n'y a aucune nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? On est en train d'essayer de notre mieux. On va essayer de trouver une solution à ça. C'est qu'elles sont très rapides. Ils ont de meilleures armes que nous. Est-ce que vous pouvez imaginer? Avant d'arriver là-bas, ils ont tué 4 de nos agents de patrouille. Patron, comme on le dit patron, elles ont des armes de dernier cri. Je te le jure, on va les arrêter. On va les arrêter. L'inspecteur général nous donne l'ultimatum de 2 semaines. Ce monsieur est un fardeau pour moi. Et s'il me coince, moi aussi je vais vous coincer. Je vais vous pincer. Mon travail est en jeu, mais gare à vous. Si je perds mon travail, vous perdez pour vous premièrement. Et vous irez chercher. Oui, monsieur. On va essayer de notre mieux. Faites de votre mieux, ne me suis pas. Elles sont justes, les filles, n'est-ce pas? Sortez d'ici. La prochaine fois que je verrai votre visage, il faut que vous soyez avec les filles. Sortez. Sortez d'ici. Insensé.